apothéose de Tislim dans la Kéran, les populations locales ont célébré leur fête des moissons dans la joie et l'allégresse. Bientôt le 20 mars, journée internationale de la francophonie, une grande caravane a sillonné les rues de Lomé. Les jeunes ont été sensibilisés sur la prévention des IST, VIH/SIDA. Et puis King Mensah en concert live, c'était samedi sur l'esplanade du Palais des Congrès de Lomé. C'est pour marquer la journée de la femme et ses 20 ans de carrière. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Nous ouvrons cette édition par sur une ambiance festive. Direction la Kéran pour l'apothéose de Tislim Boudan, fête des moissons et d'initiation. Une véritable communion entre les populations locales et les fils du milieu qui se trouvent aux quatre coins du monde. Le folklore a retenti pour rendre grâce à Dieu et aux ancêtres. Nestor Mousseau. Les fils de Dieu sont là pour célébrer la fête de Tripoli au Boudan et Tislim. Dans l'union, la paix et la solidarité. Tislim Difouani Oboudam, la fête préfectorale de la Kéran. Par le passé, l'apothéose de cette fête se déroulait à Kanté, chef-lieu de la préfecture. Mais dans le souci de partager la saveur de cette communion à toutes les grandes localités, il a été décidé que désormais, Tislim Difouani Oboudam soit célébré de façon rotative entre ces localités. Nadouba, le pays des Batamariba, le royaume des Takinta ou Tata est la première à jouir de cette nouvelle donne. Elle a accueilli les manifestations officielles de la 31e édition. Superficie de 1842 km² avec une population de 94 000 habitants, la Kéran est composée de 9 cantons. Elle est peuplée essentiellement de Lamba, de Tamberma, de Nganga, de Nyandé, de Kabié et de Tim. Ces populations cultivent surtout le mil, le sorgho, le fonio, le riz, le haricot, le maïs, l'igname et le coton. Tislim Difouani Oboudam concerne principalement les Lamba, les Tamberma et les Nganga, qui sont les peuples autochtones de la Kéran. C'est une fête qui revêt un double sens. Pour les peuples Lamba et Nganga, Tislim et Oboudam traduisent pratiquement les mêmes rites qui sont pratiqués pendant et après les récoltes pour rendre grâce à Dieu par l'intercession des membres des ancêtres pour l'abondance des récoltes. Pour le peuple Batamariba ou Tamberma, Difouani veut dire fête de l'initiation des jeunes qui s'apprêtent à entrer dans la vie active. Tislim Difouani Oboudam donne l'opportunité aux populations de la Kéran de s'abreuver aux sources des ancêtres. Ces retrouvailles ont pour objectif de renforcer la solidarité entre les filles et fils de cette préfecture. La Kéran regorge d'une diversité culturelle indéniable. Le représentant du chef de l'État à cette fête, le ministre en charge de la culture, a exhorté les natifs de la préfecture à mettre tout en œuvre pour la protéger. Au-delà des retrouvailles et des réjouissances, cette fête vous offre, vous, peuple Lamba, Tamberma et Nganga, l'opportunité de fraterniser, de mener des réflexions sur les activités de développement de votre chère préfecture. La diversité de votre culture, traduite par vos différents rites, chants, danses, savoir-faire artisanal et architectural, est une fierté pour notre pays, le Togo. Vous avez donc l'impérieux devoir de sauvegarder cette richesse culturelle afin de la transmettre aux générations futures. Cette initiative d'instituer la rotation de votre fête traditionnelle est un facteur de fraternité, d'unité, de paix et de réconciliation sans lesquels aucun développement n'est possible. Le site Koutamaku, qui accueille cette 31e édition de Tislim Difouani Oboudam, est une fierté de la culture nationale. Cette culture participe également au développement de l'économie nationale en contribuant au relèvement du produit intérieur brut. C'est pourquoi
les plus hautes autorités de notre pays, en l'instar du président de la République, son Excellence Faure et Sozimna Niasingbe, lui accorde une attention particulière. Tout en admirant la variété des danses folkloriques, les invités et le public ont goûté les mets traditionnels de la Kiran, préparés à partir des produits cultivés sur place. Nous restons dans la causa pour faire l'écho de la dissémination d'une étude intitulée « Ethnicité, crise sociopolitique et processus de réconciliation au Togo ». Les investigations menées par l'Association des historiens et archéologues du Togo en partenariat avec le Centre d'études et de recherche sur les organisations, la communication et l'éducation. Et c'est toujours Nestor Mouzou qui nous en parle. Sur la base des recommandations de la Commission Vérité, Justice et Réconciliation, les organisations de la société civile comme la HAT, Association des historiens et archéologues du Togo, et le CIROS, Centre d'études et de recherche sur les organisations, la communication et l'éducation, se sont rendus compte que certains aspects pourraient être approfondis. Accompagnés par le PASCRENA, projet d'appui à la société civile et à la réconciliation nationale, une structure de l'Union européenne, elles se sont lancées dans une recherche qui a porté sur le thème « Ethnicité, crise sociopolitique et processus de réconciliation nationale au Togo ». Les résultats auxquels elles sont parvenues ont fait l'objet d'une parution sous forme de synthèse. Accara, la HAT et le CIROS ont réuni les acteurs politiques, les leaders d'opinion, les chefs traditionnels et religieux et d'autres acteurs de la société civile pour partager le contenu du document avec eux. Nous nous sommes rendus compte à travers cette étude que l'ethnicité a été souvent manipulée par des populations, par des politiques. La manipulation est due au fait que chacun cherche son intérêt. Si vous prenez par exemple les politiques, ils manipulent l'ethnicité par rapport justement à ce que cela peut leur donner. Et généralement, on a constaté que c'est en période électorale que la notion d'ethnicité est brandie. Sur le terrain, beaucoup nous ont dit, mais vous voulez nous parler de réconciliation alors que les bourreaux sont en train de se promener. Il y a impunité. Vous voulez que nous puissions pardonner alors que le bourreau ne reconnaît pas ses faits et ne présente pas, ne fait pas son mea culpa. Vous voulez que nous puissions pardonner? C'est du vivre ensemble que nous voulons parler. Et il faudrait que ceux qui mobilisent le peuple à la base puissent être associés au projet. C'est ce qui a fait que nous avons fait le pas vers eux. Le Haut Commissariat à la Réconciliation et au Renforcement de l'Unité Nationale, HCUN, a été associé à la démarche. Nous nous réjouissons de ce que les universitaires a décidé enfin de s'impliquer pour essayer d'accompagner le gouvernement et les acteurs politiques afin de trouver un certain nombre de pistes qui sont susceptibles de contribuer à apporter des solutions au processus de réconciliation en cours. Kara est la deuxième étape de cette tournée après Atakpamé. Dans les prochains jours, Tapaon, Sokodé, Tchévié, Lomé et Kpalimé seront aussi visités par la HAT, le CIROS et le HCUN pour la même cause. On met le cap sur Atakpamé, ville côtoyée par beaucoup de migrants parce que traversée par la nationale numéro 1, route qui relie le Togo au pays de l'Interland, ce qui focalise surtout l'attention des acteurs engagés dans la lutte contre la propagation du VIH-SIDA. Et donc, ceux-ci ont été conviés à une rencontre importante par la municipalité d'Atakpamé avec l'appui de l'ONU-SIDA en vue d'étudier et adopter ensemble un plan d'action destiné à mieux renforcer le combat contre cette pandémie. Le récit est de Yves Agbevi. Cette rencontre qui a réuni les acteurs de la santé, des responsables de la commune d'Atakpamé et les acteurs dans la lutte contre le VIH-SIDA vise à développer un plan d'action opérationnel en vue de protéger les populations contre la propagation du VIH-SIDA dans la localité d'Atakpamé. L'étude doit permettre de mener des activités de façon à donner l'opportunité aux populations de connaître leur statut sérologique en vue d'une prise en charge et ceux qui seront bénéficiaires de cette prise en charge doivent au finish avoir une charge virale indétectable. Un objectif à atteindre d'ici 2020, selon l'ONU-SIDA. Par rapport aux données que nous avons, aux données de l'épidémie au niveau local, et par rapport à ça, nous allons développer des interventions, des activités pour que d'ici 2020, nous puissions atteindre les objectifs 90-90-90 de l'ONU-SIDA. C'est-à-dire, il faut que 90% des personnes qui vivent avec le VIH connaissent leur statut sérologique. Il faut que 90% également aient accès au traitement
antirétroviral et que 90% des gens qui seront sous traitement aient une charge virale indétectable. Au Togo, la prévalence en VIH-SIDA est de 3,5% en milieu urbain et de 1,6% en milieu rural. Cette rencontre de développement de plans d'action d'accélération de la riposte au SIDA est initiée par l'Union des communes du Togo avec l'appui de l'ONU-SIDA. En dehors de la ville d'Atakwame, Lomé, Sokodé et Kara sont les trois autres villes plus touchées par le mal du VIH-SIDA. Et l'ONU-SIDA se joint également à l'OIF pour la célébration du 20 mars. Une caravane a été organisée à travers les rues de Lomé. Les jeunes en sont surtout la cible. Sensibilisation, communication et activités sportives ont marqué cette activité destinée à les amener à prendre de bonnes résolutions pour éviter de tomber dans le piège irréversible de la contamination au VIH. Ramdan Bassina. Au-delà de son rôle de veiller à la sauvegarde de la langue française, l'Organisation internationale de la francophonie OIF s'est aussi donnée pour mission de favoriser la paix, la démocratie et l'intégration. Pour cette quinzaine de la francophonie au Togo, le pouvoir des mots est le thème retenu avec en toile de fond l'entrepreneuriat des jeunes et des femmes sans VIH pour l'atteinte des ODD. La caravane qui est partie de la place Anani Santos a eu pour point de chute le stade municipal de Lomé. Si l'on dit que la jeunesse, que le jeune et les femmes, c'est eux l'avenir de nos pays, ça ne devrait pas rester lettre morte. Il faut qu'on commence, à prendre conscience des défis de taille auxquels la jeunesse fait face. Et parmi ces défis, il y a d'abord le non-accès à l'emploi. La croissance économique et surtout la prise en compte de la lutte contre le VIH-SIDA sont aussi des axes sur lesquels travaillent étroitement l'OIF, la Commission nationale de la francophonie et l'ONU-SIDA pour une jeunesse en bonne santé et prête à travailler pour l'atteinte des ODD. Mais cette jeunesse aussi, elle fait face à des défis liés notamment au VIH-SIDA, à la consommation des stupéfiants, de la drogue, ce qui limite leur capacité de réalisation. Ce matin aussi, c'est ce que nous avons voulu mettre en exergue. La francophonie, c'est aussi le sport, avec l'athlétisme qui a connu la participation d'hommes et femmes sur 100 mètres et 1500 mètres. Les meilleurs ont été récompensés. Après le Burkina, la Côte d'Ivoire. Un hôtel a été la cible d'une attaque cet après-midi à Grand Bassama, Abidjan. On dénombre de nombreux morts, dont des expatriés. La sécurité a été renforcée dans la capitale ivoirienne. L'attaque est en cours. Les clients de cet hôtel fuient visiblement un danger qui vient de la plage. Les assaillants sont là-bas. C'est ce que nous confirme cet homme, joint par téléphone. Il était dans un hôtel à 300 mètres de là. Ça hurlait, ça criait, voilà. Et à moins de 150 mètres de moi, j'ai vu deux hommes en civil armés. Il y avait des kalachs en main, ils tiraient en l'air. Et Thierry, bon, ils ont regardé à ma direction. Et puis, bon, l'autre a fait signe à son ami, ils sont entrés dans le premier hôtel qu'ils ont trouvé. Ils ont rafalé, puis ils sont ressortis, tout en tirant, tout en marchant, sereinement, tranquillement. Des scènes de terreur décrites par tous. Et malgré l'intervention des forces de sécurité ivoiriennes, la confusion a régné sur place une grande partie de l'après-midi. À côté d'elle, une enfant blessée dans l'attaque. Elle a pris une balle, la dame. Elle a pris une dame. Trois hôtels auraient été la cible des tireurs. Parmi eux, l'hôtel L'Étoile du Sud, situé le long de la plage dans ce quartier ultra-touristique de Grand Bassam, fréquenté par de nombreux Européens et la bourgeoisie ivoirienne. Une partie des terroristes ont rapidement été maîtrisés. Les forces de défense et de sécurité ivoiriennes sont intervenues immédiatement et ont pu neutraliser six terroristes. Les ratissages sont en cours. Pour l'heure, le nombre exact des assaillants est toujours inconnu.
Au Cameroun, la lutte continue aussi contre les attaques djihadistes, mais ce qui retient notre attention ce soir, c'est la cybercriminalité, fléau qui s'est emparé des secteurs vitaux de l'économie de ce pays, entraînant plus de 25 milliards de pertes pour l'État en 2015. National des technologies de l'information et de la communication, le Cameroun a perdu plus de 25 milliards de francs CFA en 2015 du fait de la cybercriminalité. Les principales victimes sont les opérateurs de téléphonie mobile avec plus de 18 milliards et les banques avec plus de 3 milliards. Ces pertes sont la conséquence conjointe du skimming pour les sociétés bancaires et l'utilisation des SIMbox dans le secteur de la téléphonie mobile. En fait, cela est dû à ce qu'on appelle le skimming, en fait, ou encore fraude à la carte bancaire, c'est-à-dire les cybercriminels conçoivent des dispositifs spéciaux qu'ils vont insérer au niveau des distributeurs de billets de banque. Ces dispositifs-là vont permettre donc de copier en fait la bande magnétique en fait des cartes bancaires et de filmer les mots de passe des différents usagers. Donc après, donc, une fois que les cybercriminels auront donc ces informations-là, ils vont donc fabriquer des fausses cartes qui vont donc permettre de débiter les comptes des clients de ces banques-là. Pour les opérateurs de téléphone, c'est un autre phénomène qu'on appelle le phénomène des SIMbox. En fait, les SIMbox sont des équipements en fait, qui prennent plusieurs cartes SIM et qui permettent donc de contourner le réseau des opérateurs en fait, pour acheminer les appels à des tarifs réduits. La cybercriminalité est au cœur de l'enjeu de la cybersécurité dans le développement de l'économie numérique au Cameroun. Et la loi fondamentale dispose des mesures répressives pour tout délit relatif à la cybersécurité et à la cybercriminalité. Les sanctions vont d'une amende d'1 à 50 millions de francs CFA à un emprisonnement d'1 à 10 ans suivant le type d'infraction. Il faut mettre en place des structures opérationnelles. Il faut mettre en place des unités de cyberpolice. C'est aujourd'hui la donne à travers le monde. Les États se mobilisent de la même manière qu'il y a des armées classiques. Il devait y avoir des polices cybercriminelles. La loi numéro 2010-012 du 21 décembre 2010 énonce et sanctionne les infractions cybernétiques au Cameroun. Cependant, les juristes et les spécialistes de la cybercriminalité pensent que cette loi gagnerait à être améliorée. Selon eux, il revient au ministère public de déterminer les éléments constitutifs de l'infraction cybernétique en leur donnant un nom. Au Togo, le parti Obu a tenu à rendre hommage à ses militantes pour marquer la journée de la femme. Et donc, dans la continuité de cette célébration, le parti a organisé sa deuxième université politique qui met les femmes à l'honneur à travers des communications sur l'autonomisation et le leadership féminin. Antoinette Roumain, au revoir. Les femmes solidaires de la formation politique Obu, organisation pour bâtir dans l'Union un Togo solidaire, célèbre la Journée internationale de la femme. Pour marquer cette journée, elles ont réuni les partisans et sympathisants de ce parti politique pour les édifier sur les droits et devoirs des femmes et l'enjeu du leadership féminin. Nous les accompagnons dans la formation, nous les sensibilisons et nous les invitons à prendre la parole dans les milieux de prise de décision. Et même pour cette fois-ci, nous sommes en train de les former dans le cadre des prochaines locales qui auront lieu, à ce qu'elles s'inscrivent abondamment sur les listes de candidature. Les femmes togolaises sont souvent sous-représentées dans les instances décisionnelles. Comment les impliquer davantage dans la gestion et prise de décision? Un problème que tentent de résoudre les premiers responsables du parti politique Obu à travers cette deuxième édition de l'université politique. Nous avons un devoir à faire. Comment pourrions-nous faire pour que les femmes soient massivement investies sur les listes des candidats aux prochaines élections, en tout cas locales, et comment faire en sorte qu'elles sortent massivement afin que, au niveau des conseils municipaux, que ce soit les femmes qui leadent. Nous voulons partir de là, voir donc comment elles peuvent transformer, si vous voulez, donc, nos localités. Les femmes solidaires sont une branche du parti Obu. Elles s'investissent pour la cause de la femme togolaise afin que cette égalité soit effective d'ici à 2030. Les femmes, tout comme les jeunes gens, sont aussi appelées à promouvoir leurs talents, surtout en matière d'art oratoire. Parler, séduire et convaincre un jury sur le thème des objectifs de développement durable, c'est l'exercice auquel se sont livrés les jeunes qui participent au championnat national des joutes verbales francophones qui ont démarré ce week-end à Lomé. Gérard Lagoudou, Antoinette Roumain, au revoir. Sa
phase préliminaire du championnat national des joutes verbales francophones est lancée et les concurrents partent donc à la conquête du pouvoir des mots. Cette première compétition interuniversitaire de débat et art oratoire regroupe 8 écoles et facultés du public et du privé. Elle consiste à ouvrir un débat entre 2 équipes sur un thème donné pour offrir à chaque camp la chance de séduire le public à travers l'expression en vue de maximiser des points auprès du jury. La présente phase a porté sur les droits humains, l'éducation, la parité genre et d'autres sujets ayant trait aux ODD, Objectifs de développement durable. Les joutes verbales francophones sont une compétition de débat et d'art oratoire qui met aux prises pour la première fois au Togo 8 écoles et universités de la place qui débattent sur des thématiques liées au développement durable. L'idée, c'est de permettre aux jeunes de s'entraîner au débat et à l'art oratoire et de pouvoir leur donner la parole pour qu'ils s'expriment et exprimer leurs idées sur des questions qui les concernent, sur les questions qui touchent à leur quotidien, afin de participer efficacement au développement de leur communauté, au développement de notre pays, le Togo. À l'issue des différentes rencontres comptant pour les quarts de finale, 4 équipes ont été retenues pour la prochaine étape. L'IAEC l'a emporté face à l'ISICA. La Faculté des Lettres, Langues et Arts de l'Université de Lomé s'en est sortie au détriment de l'ESIG Global Success. L'école des cadres a eu le mérite sur les STAC et la Faculté de droit de l'Université de Lomé a battu les AG NDE. Il y a tout ce qui touche à l'éloquence, tout ce qui touche à l'argumentation, à l'art de l'argumentation, bon, tout ce qui touche à la thématique, c'est-à-dire la cohérence du sujet qui est traité. Il y a tout ce qui touche au côté grammatical, à l'art de manier les mots et de manier le verbe. Et puis enfin, il y a ce qui touche à la présentation sur scène, tout ce qui touche à la gestuelle, à la vocalisation, etc. La phase des demi-finales est prévue pour le 19 mars prochain, une activité inscrite au programme de la journée de l'Organisation internationale de la francophonie, célébrée le 20 mars de chaque année. Journée des métiers à l'Institut supérieur Agatha Carelli. Les jeunes ont été orientés sur les différentes filières qu'ils devront choisir afin de réussir leur formation et entamer avec succès leur future carrière professionnelle. Nous retrouvons Rachel Aoko. Orienter les élèves à la base, voilà une solution appropriée pour réduire les problèmes d'inadéquation entre formation et emploi auxquels sont confrontés les jeunes diplômés aujourd'hui. Pendant 3 jours, du 14 au 16 mars, l'Institut supérieur Agatha Carelli se propose d'informer et de sensibiliser plus de 1300 apprenants afin de les aider à mieux réussir leur vie professionnelle plus tard. Notre système éducatif n'est pas un système orientateur. Après un certain nombre d'années de formation, après son BPC ou bien son BAC, très peu arrivent à dire ce qu'ils sont appelés à faire, quelle est leur mission, qu'est-ce qu'ils pourront faire, parce qu'ils n'ont pas été suffisamment formés à cela. Ils n'ont pas une idée des débouchés qui les attendent. Ils ne savent pas ce à quoi s'en tenir, ils ne savent pas compter sur leurs propres capacités. Alors on se dit que c'est un manque dans notre système et pour pallier à ça, nous avons voulu organiser cette journée-là pour aider les jeunes à se préparer, à mieux choisir après un temps de formation, à projeter leur avenir à travers des échanges qu'ils auront à faire avec les professionnels et des conseillers d'orientation. Les 3 jours seront meublés de conférences, échanges et surtout de séances d'orientation par des experts. Les journées se tiendront au sein de l'Institut supérieur Agatha Carelli. Tous les apprenants sont invités à y prendre part. Un nouveau livre a été dédicacé samedi à Lomé, une pièce de théâtre qui a pour titre « Le gâteau de mariage » suivi de « Le prix » de l'auteur Jean-Mévy Akiti. Il met l'accent sur l'éducation comme ciment de tout progrès social. L'œuvre a été éditée chez Audi Dede Kusao, Rachel Aoko. Jeune bachelière sans moyens et dans les capacités de poursuivre ses études, elle se donne en mariage. C'est le contenu de la pièce de théâtre « Le gâteau de mariage ».
une œuvre de l'auteur Jean Amévi Akiti qui est dédicacée ce jour à l'Agora Senghor, un chef-d'œuvre de deux pièces de théâtre dont le prix. Il retrace les défis de l'éducation et des faits sociaux dans un style simple. Il s'agit d'Akouvi, jeune fille de 19 ans qui a eu le bac, donc ce qui les a amenés à aller plutôt proposer à la fille-là qui est déjà mature de se marier. Le thème principal de mes œuvres, depuis les romans, en passant par le théâtre et arrivé à la poésie, donc c'est l'éducation. Parce qu'un peuple qu'on n'éduque pas, c'est une plaie qui s'infecte jusqu'à la gangrène. Et aujourd'hui, le grand problème du monde, c'est l'éducation, qu'on soit en Afrique ou ailleurs, en Europe. Lorsque l'éducation est faussée, donc l'avenir du pays est à volo. Et ce qui est intéressant, c'est que c'est des pièces de l'éducation. C'est-à-dire que le théâtre est un genre par excellence d'éducation. Donc dans ces pièces, on peut retrouver un certain nombre d'éléments essentiels à l'éducation des jeunes gens. On pourrait voir par exemple dans le prix comment certains parents sont très sévères vis-à-vis de leurs enfants. Pour eux, ils sont en train de les protéger, mais dans cette dureté, ils créent d'autres problèmes qu'ils n'avaient pas envisagés. L'auteur a à son actif trois ouvrages, dont une pièce de théâtre, à savoir Sika ou la destinée éprouvée, paru en 2013, Les déchaînés de Nimanyan et L'élu de Ketessa, édité en 2010. Jean Amévi Akiti est professeur de français et journaliste. Nous retournons à l'actualité du 8 mars et on se rend une fois encore à Atapame pour la promotion du leadership féminin organisé par le Corps de la Paix au profit des femmes. Yves Agbevivi. Les IRC SIDA, le harcèlement sexuel, la confiance en soi, l'hygiène, les droits de la femme, la question du genre et la contraception. Voilà les différents thèmes qui ont fait l'objet d'expositions au cours de la foire de la journée de la femme, ce 8 mars 2016 à Atapame. Une exposition qui représente l'apothéose de la conférence qui a démarré le 3 mars 2016 avec des femmes venues des 5 régions du pays, une initiative annuelle du Corps de la Paix depuis 2011. Dans les villages, les femmes n'ont pas beaucoup d'opportunités pour suivre la formation. Donc c'est une opportunité de faire une petite formation sur quelques thèmes qui sont vraiment importants pour leur communauté et leur famille. Elles ont vraiment le pouvoir de faire les changements qui sont vraiment importants pour le développement du Togo. L'édition de 2016 a été placée sous le thème « Femmes leaders pour un avenir meilleur » avec le soutien de l'ambassade des USA au Togo pour qui l'aide à la femme et à la jeune fille doit être une priorité. Et cette initiative répond également à l'appel de Michelle Obama, celui de soutenir l'éducation de la jeune fille. La promotion des femmes est très importante et aussi cruciale pour la stabilité, la paix et aussi la prospérité pour un pays. Donc ça, c'est pourquoi nous avons choisi cette format. C'était la 5e édition de cette conférence pour les femmes. Qui est sponsorée par la Cour de la Paix pour éduquer les femmes concernant leurs droits, la santé. Présent au Togo depuis 54 ans, le Corps de la Paix, qui compte actuellement 79 volontaires sur l'ensemble du territoire, influence positivement la vie des communautés comme la création de l'ONG Pathways Togo, créée en 1993 sous le nom de Fondation Karen Wade, ONG qui soutient l'éducation de la jeune fille. Ce success story maintenant qui illustre la valeur de la femme togolaise, Christelle Mensah, une styliste qui a marqué la mode africaine ces 20 dernières années. Elle célèbre donc son jubilé sous le signe de l'amour pour la postérité. Elle a décerné des diplômes à ses jeunes apprenants, la énième promotion qu'elle a ainsi formée. Augustin Kossi, Ramdan Bassine, un reportage. Le stylisme et la mode au Togo, un secteur qui suscite de plus en plus d'engouement et d'admiration. De nouveaux talents émergent et de nouvelles écoles se créent. C'est le cas de l'Institut de Coupe Christ de Metz, incarné par Christelle, une styliste qui a consacré 20 ans à offrir une formation de qualité aux apprenants. C'est un grand jour, je suis contente, c'est un jour magnifique pour moi. La mode togolaise se porte bien. Aujourd'hui, nous avons plus de stylistes et que nous faisons l'effort de sortir à l'extérieur du pays pour faire des recherches, pour que les Togolais et Togolaises s'habillent bien, pour qu'ils puissent être à la mode. «
20 ans de carrière, 20 ans de créativité et d'ingéniosité au service de la mode au Togo. Un jubilé de porcelaine couplé de la remise de certificats de fin d'apprentissage. Je suis vraiment heureuse pour cette occasion qui n'est pas donnée à tout le monde. L'heure est de s'en rendre compte que, aussi diplômé qu'on puisse être, on peut toutefois revenir à la couture. Et on peut faire de ce métier un métier international, ou bien on peut faire de ce métier un vrai gagne-pain. Après le diplôme, il reste à travailler dur. Ça, le diplôme, ce n'est rien du tout. Maintenant, il faut faire des efforts et à confectionner des modèles plus qu'avant. La formation dure 3 ans, un processus qui se fait en 4 temps. L'éveil du génie créateur de l'apprenant, la conception de prototypes qui serviront de modèles, les dessins assistés par ordinateur et la confection des costumes. La maison de la mode Christ de Mens a déjà produit une centaine de stylistes et modélistes qui font le bonheur de la mode au Togo et dans d'autres pays. Voilà, nous reviendrons sur le concert de King Mensah dans nos prochaines éditions. Merci de nous avoir suivis. Bonsoir.